bonjour pour cette partie 4. Cette partie 4 de ce. Je sais pas quoi. Voilà. Je sais pas trop. Ce Let's Play Secret of Mana Casual Gaming Pro 10 000, ouais, c'est ça, Pro X 20 000, bah, je dirais. Exactement. Donc, pour résumer, j'ai farmé comme un enculé mes magies vers la fin de la partie 3. Hein, c'était chiant. Mais maintenant, voilà, avec la Mousesse, j'ai mes magies niveau 2. Alors, il y a quoi là? Bienvenue chez Chacha. D'accord. Donc, très bien pour... ils veulent que je monte mes magies du gnome. Ils veulent absolument que je le fasse. Donc l'hier ça donne combien? C'est énorme. On va faire ça, hein. Alors pendant qu'on fait ça, la confirme qu'elle attaque pas. Et voilà. Chez Chacha. Pots la nuit, pas cher, hein. Normalement c'est 15 pots ou 10 pots. Lui il fait payer le double comme d'habitude. Tous ces objets sont le double du prix. La coupe désir au lieu de 150 elle est à la 300. Les noix au lieu de 500 elles sont à 1000. Ah là là, et tous les objets, hein, ils sont doublés. Mais bon, il peut servir en cas vraiment extrême. C'est le vendeur de l'extrême, Chacha. Allez, monte niveau 1. Merde. Je disais, monte niveau 1, s'il te plaît. Voilà. On veut du niveau 2 pour aller à Pandore. D'ailleurs, on va voir combien ça donne de points maintenant. Si ça donne toujours 9 points. Alors là je suis à 40. Je regarde encore. Ouais, je suis à 40. Donc là normalement ça donne 9 points. Mais normalement ça donne moins que 9 points. Ouais, ça donne 8 points. Au lieu de 9 points. Ça va, c'est correct. En gros, ça diminue d'un point à chaque niveau.
Parfait. C'est bien de commencer une partie 4 sur encore du farm. Alors, il me semble que les PM, c'est par rapport au niveau. C'est-à-dire, si t'es niveau 11, t'auras 11 PM. Si t'es niveau 12, t'auras 12 PM. Les points magie, c'est comme ça. Donc, monter de niveau, c'est bien pour avoir plein de magie. Voilà, niveau 2. Allez, on se barre. On va claquer quand même Ondine sur le chemin. XP de magie là. Ah merde, elle a décollé là. Eh, 10 pots, hein, c'est pas 30 pots de chacha. Ici, y a pas d'arnaque. Hein. Bon, je crois qu'il est temps. Il est vraiment temps, j'ai tellement farmé là depuis tout à l'heure, j'ai pris au moins 40 minutes pour faire cette étape facilement. Mais c'est bien, au moins j'ai prévu le coup. Enfin, je dirais pas non pour une noix, mais je sais pas où me trouver. Ah, peut-être chez Chacha. Ça me ferait faire un détour. Mais ici on aime bien les détours, donc on va aller prendre une noix. Non, parce que moi dans mon enfance j'ai flippé à cet endroit avec la musique flippante et tout. Non, non, je préfère aller chercher une noix. Alors, est-ce qu'ils vendent des noix ici? Non, hein, c'est de la merde. Il faut aller chez Chacha comme d'habitude. C'est Chacha qui a le meilleur stock. Putain, en plus j'ai pile poil bill. Ouais, bon, voilà, je savais que j'allais me faire enfler. Donc il va falloir retourner chez Chacha. Super, j'y étais tout à l'heure. C'est super. On va monter la magie d'Ondine sur le chemin. Un petit par-ci, un petit par-là, ça monte vite, 8 points par 8 points.
Voilà. Donc lui il va me vendre des doigts, sinon je lui casse les... Voilà. Hein, je lui casse la tête. Il me fait chier, chacha. Voilà, avec une noix, je me sens super, super bien. Donc si j'ai bien calculé, sur le chemin j'ai juste à utiliser mes magies, je vais monter niveau 2 avec Ondine, ce qui fait que j'aurai toutes mes magies à fond avec tous les persos, c'est-à-dire la gonzesse et l'elfe, si j'ai bien calculé. Et quand j'arrive à Pandore, je vais me soigner hein, pour avoir tous mes PM, et après c'est du haunage de boss. Puis voilà, là j'ai ma noix, j'ai tout ce qu'il faut. Merde, qu'est-ce que je fais? Ah, 96, ouais, bon, un coup près, quoi. Un coup près. Bon, on va monter niveau 2 de la magie d'Ondine, hein, bien sûr, vu qu'il manque qu'un coup. Pourquoi se priver? La patience est une vertu. Voilà, niveau 2. C'est parfait. Je suis enfin vraiment, vraiment prêt, là. À cet endroit, il m'a trop fait caguer. Hein. J'ai beau me le retaper 10 ans plus tard, ou même 15 ans plus tard, je sais plus, mais merde. Ouais, 20 ans plus tard. Ouais, mais non, mais j'ai joué pas à 6 ans, j'ai joué vers 10 ans. Donc, ouais. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je me suis pas éclaté à me le refaire. Allez, c'est parti. Alors, action, hein, bien sûr. Et on va les mettre à bien fond. Ouais, ça c'est fait. Ananas, je pense que j'ai fait pareil. Ok, bon. Ils vont pas attaquer débilement les ennemis. Sinon, ce serait la merde.
j'ai ma noix, ça veut dire que je vais pouvoir faire full magie sur le boss. Je pense qu'il pourra pas résister. Aïe aïe aïe, hein. Moi je me chie dessus. Mais bon, là ça va, j'ai géré. Hein. Ah, le boss tant redouté, putain. Et en plus, si on pète l'œil de gauche et de droite, après, eh bien, ça avance et ça tombe sur les pics. C'est de la merde. Alors j'ai 11, il va balancer tous les feux des liens. La meuf, elle va me donner l'épée de pierre. Non, elle va bluffer tout le monde. Non, elle va juste me bluffer moi. Voilà, après elle va me donner l'épée de pierre. Voilà les fenêtres. Les fenêtres, c'est bien beau, mais là, elle... Oh là là! Oh comme c'était violent! Oh comme c'était violent! J'ai une noix gratuite en plus pour un boss dans les... Comment ça s'appelle? Les hautes plaines! Non, les hauts pays! Le boss de feu là!
chier pour rien, j'avais tout à spammer l'amour. Et maintenant je me serai au niveau 2, le gnome et l'amour. Ça marche de bruit aux gens. Bon, moi je veux la sphère de l'épée pour monter niveau 3. Allez, donne-moi ma sphère d'épée, mes 50 points fois 10 000. Mec, il peut pas mettre 200 pots, non, il met 50 pots, 50 pots, mais 50 pots. C'est un fou. Sphère de la lance, ça c'est bien ça. Ça veut dire que la lance va pouvoir. Niveau 3, quand on touche un ennemi, il plane avec un. J'ai tendance à laisser la lance niveau 3 juste pour ça.
les PM ils sont partis contre le boss, mais ils sont pas revenus. Ils reviennent pas par magie. Les PM non. Les vies elles reviennent, mais les PM non. C'est débile. Hein. Quand on monte de niveau, c'est pareil. Hein. Ah, et cette fenêtre de merde, je vais mettre rien de... Parfait. Allez, en route Simone vers les hauts pays. Ah non, mais d'abord il faut aller au palais de l'eau de merde. Hein, pour aller sauver Ondine là, putain, ça fait chier. Pire encore, il faut aller à Gaïa, putain. Ou alors pire encore, il faut aller à chez Ondine, enfin chez Lucie, pardon. Puis après à Gaïa. Ça va être la merde. Et moi je vais aller au pays. Gaïa et après quand je... Alors à Gaïa il y a un boss, hein, un mecha, si je me souviens bien, et le pire dans tout ça c'est que quand je vais revenir au palais de l'eau, ben c'est un piège, il y aura un autre boss, un dragon à la con. Oh là là. Je pars de Gaïa, faut pas que j'oublie, mais vraiment pas, de vous remettre tout mon mana, parce que la dernière fois j'avais oublié. Monsieur Canon. Enfin là il n'est pas là mais quand il est là c'est bien. Il y a eu une attaque spéciale et après ça revient à zéro. Et ça faut savoir. Thank you.
Ah, le fouet, nickel. C'est une de mes armes préférées, le fouet. Donc, bon. Ou alors, j'ai dit le PD, hein. Je crois qu'il faut y a que l'arc qui peut lui mettre des hits à la con. Et avoir l'oiseau avec l'arc, c'est de la merde. Oh bien sûr, va falloir aller au panetto, hein. Ah oui, apporte là au panetto. Cette partie 4, il n'y aura pas de haut pays, hein. Parce que quand je vais aller au palais de l'eau, bah, il va y avoir le boss dragon à deux têtes, hein. Bah oui. Voilà. J'y peux rien.
y a le fouet. Bon bah écoute, voilà, c'est plus le lance de épée boomerang, c'est le lance épée et fouet. Préféré enfin pas mon arme préférée, c'est le fouet, mais je veux dire c'est le niveau préféré de la lance que j'aime bien, niveau 3. Là j'ai plus de sous moi. Après les autres niveaux ils font poison et des conneries comme ça, mais c'est de la merde. C'est mieux de faire planer son adversaire qui est des ballons au-dessus de lui, il peut rien faire. Je recommande à tous les joueurs de, voilà, de Secret of Mana de garder leur lance niveau 3, de ne pas la faire évoluer plus que ça. Mais après, plus tard dans le jeu, je sais pas ce que ça peut donner. Parce que je l'ai jamais fait moi-même, ce que je conseille. Je sais pas si ça va miss les ennemis si elle est pas évoluée. Bon alors. D'accord, je dois aller au bas de l'étau et je vais vers le bas. Très bien, très très bien. Là il plane, putain c'est trop énorme. Moi je veux cette arme, je veux cette arme, je m'en fous. Donne-moi mon arme. Ah, il fouet, il fait que ça s'empêtre. Putain, mais c'est énorme. Vous l'avez plus s'empêtrer. Putain, ils sont costauds ceux-là. On va se casser. Hein. On n'a pas le temps de pousser des milices. C'est un piège. Et oui, je le sais, hein, elle va dire ça. Vite, échappe-toi. Bon, ok, elle a pas dit ça, la piège. Mais bon, vite, échappe-toi. Bon, on va voir ce qu'il craint. Ah oui, 125. Donc du coup, la gonzesse, c'est ça. Après la gonzesse, on la met en action.
pas la ressusciter, le petit prêt de consommer, mais on ne va pas s'en occuper. Partir de ce putain de merdier, c'est tout le temps pareil. Oh là là, je vais enfin pouvoir aller au pays. Les hauts pays de l'enfer. Énorme. Oh, les sphères du fouet encore. Partie 4, hein, ben des bisous.